Le village de Nyemboda, dans la sous-préfecture de Diégoune-Fla, a enterré ses morts suite à l'effroyable accident de la circulation sur l'axe d'Ivo-Oumé au sein d'une communauté religieuse. 15 morts au total, dont 12 victimes étaient originaires du village de Nyemboda. C'est une population meurtrie à jamais, mais digne dans la douleur, qui continue de recevoir des messages de soutien. Après la compassion du gouvernement, une forte délégation du CADO, en langue locale, nous sommes un, s'est rendue à son tour dans le village, conduite par Léopoldine Kofi, présidente nationale de cette plateforme d'échange de cohésion sociale. Endeuillée parce que nos frères et sœurs sont rappelés à Dieu à un moment où nous avions besoin d'eux. Nous ne pouvions pas rester sans venir vous exprimer ce que nous avons ressenti et que nous continuons de ressentir. Au nom de Charles Dibi Kofi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, membre du CADO, elle a remis 1 million et un carton de liqueurs aux familles endeuillées en guise de compassion et de soutien. Les autorités politiques, administratives, la chefferie traditionnelle ont exprimé leur gratitude aux membres du CADO pour ce geste de réconfort. Je remercie la délégation. Ils sont venus à notre aide. Vraiment, il ne sait pas que dire. Je remercie toute la population, ce qu'ils ont fait pour moi. Elle remercie également toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées et qui continuent de les soutenir dans cette douleur.